bonjour, je m'appelle Marco, je viens de l'Italie et depuis 2 ans j'ai acheté le restaurant Mamma Mia qui est fait que de la cuisine italienne. Et l'autre année j'ai refait tous les locaux pour que ça serve mieux pour les touristes qui viennent ici sur Briançon. J'ai tout refait parce que je pensais que si on faisait des travaux, il était plus joli, il attirait plus de personnes. Vous avez cru au projet Briançon Vauban Cité des Arts depuis oui. le début. Oui. Et expliquez-nous pourquoi vous avez cru à ce projet. Parce que je pense que c'est un endroit très particulier, c'est patrimoine de l'UNESCO et donc il faut pas le laisser mourir. C'est le patrimoine de Vauban qui vous a attiré? Oui, parce que ici, le restaurant c'est juste en face au fort, à la cité. Et donc c'est l'endroit où il y a plus de touristes. Parce que moi j'ai vu que surtout en été et en hiver, il y a beaucoup de monde qui viennent visiter la vieille ville. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent manger ici, qui me demandent pourquoi il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la vieille ville est en train de mourir. Parce qu'il y a des personnes qui viennent depuis longtemps, qui me demandent pourquoi tous les années ils ferment quelques magasins, où ils voient que tous les années ils changent, il est toujours plus mort, il y a moins de personnes, moins de monde. Et donc moi je pense que vu que c'est très particulier comme endroit, il faut investir, faire des investissements, pourquoi? Parce que la vieille ville, il ne meurt pas. Et donc, surtout investir dans les hors saison, parce que je vois qu'en juillet et août, il y a beaucoup de monde, et aussi pendant les vacances de Noël ou les vacances de février, mais dans le reste de la période, on voit qu'il n'y a presque pas de monde. Et je pense qu'ils ne sont pas attirés surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations qu'on peut faire aussi dans les week-ends hors saison, comme ça on peut attirer plus de personnes. Parce que si on continue comme ça, je pense que dans 3-4 ans, il va mourir complètement. Parce que c'est difficile de vivre que 3-4 mois à l'année, en travaillant 3-4 mois à l'année. Donc vous avez des salariés, vous les avez à l'année en CDI. Oui. Et quand vous avez des mois morts, il faut compter. Et justement, ce tourisme culturel ferait que vous auriez une souplesse plus importante. Oui, parce qu'il a aidé tous les magasins qui sont autour de la cité à travailler plus. Et donc il a aidé tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait, le fait d'être tous ensemble derrière un grand projet? Parce que plus on est, et mieux c'est pour soutenir le projet, soutenir le plus possible la cité Vauban et voir que toutes les personnes qui habitent ici sur Briançon, ils ont l'intérêt de soutenir tous ensemble ce projet, que Madame Anne, il a le bon cœur de soutenir en première personne. Développement touristique par la culture, vous y croyez? Oui, surtout parce que vu que c'est un monument historique, il faut surtout investir sur les choses culturelles, pas sur des magasins, des choses comme ça, mais essayer de développer la culture. C'est pittoresque et cette grande rue, si elle prenait l'âme d'artisan et d'artiste, pour vous, ça serait l'envol et l'ambition? Si on fait beaucoup de choses culturelles, je trouve que c'est joli comme endroit où développer des choses comme ça. Oui, je pense qu'il va attirer beaucoup de monde.